Information nous deux connaît prisonnier qui le loge dans prison civile au Kaila connaît un mauvais moment côté yo t'a essayé tenter craser prison pour mettre tête dehors qui t'aime faire connaître tout responsable agent Udmoyo t'est déjà débarqué massacré plusieurs là dans à coup de chapelette et yo t'est obligé rentrer dans prison sous l'ordre agent sécurité yo. Bonjour bonsoir tout le monde, Sofia TV 83 réseau information content ensemble avec vous. C'est moment pour nous porter pour vous toute nouvelle cap dominer actualité ya baga la pas bon du tout dans portail Léogane mais yo mette du feu dans sous commissariat qui trouvait le dans marché ça pour l'instant baga la compliqué yo porter aller tout ça yo te besoin et puis reste yo mette du feu toi moun yo parler concernant prison qui crasé après pénitencier national c'était quoi des bouquets couillé là c'est commissariat ak sous commissariat mais c'est bandit yo a marché prend et puis gain contrôle yo chasser tout policier. Est-ce que c'est une forme de révolution qui commençait comme ça? L'aide trouvé à l'aéroport là, lui même tout fermé bon côté pal, très bientôt c'est pral primati à palais national. Dans le contexte ça, réseau droit moun yo plaide en faveur disparition 4 policiers qui étaient mouri en babal bandit. Jusqu'à présent, chef la police là poko capable dire rien même s'il t'est parlé pour parler et c'était un message qu'elle t'a demandé policier yo kebe fem même si y a mouri ti mari pa monter ti mari pa descendre. Ensemble dernière déclaration ak information qui tombe sur commissariat portail marché Salomon ak l'hôpital Delma 18 là yo mette di fait qui te dit pratiquement rien pas arrêté pays a trouvé dans yon moment qui vraiment difficile. Doa moun yo parler sous dossier ça et côté que Ariel toujours dans campé loin et situation makel pas sous place. Haïti pral connaît pi mauvais moment la traversé nan tan sa yo. Information ak l'autre pral développer koulia la ou sur Sofia TV 83. Pas oublier abonner ou pas rater et puis toujours connaît tout ça qui a passé dans affaires politiques en Haïti. Gagné pression internationale là qui a augmenté dernier jour ça au premier ministre Ariel Henry pendant 46e réunion CARICOM au représentant principal chef gouvernement avec communauté Caraïbio premier ministre Antigua Barbuda Gaston Boiron du quoi chef gouvernement haïtien doit quitter pouvoir puis loin premier ministre là fait connaître premier ministre Ariel Henry doit mettre le sous côté puis permettre une transition politique qui a facilité une solution à crise qui d'un pays. Il a affirmé tout à présence Ariel Henry dans le gouvernement haïtien. C'est une partie problème. Elle doit se déplacer à qui l'autre monde pour capable permettre une émergence idée novatrice. A réponse ça, pour le ministre Ariel Henry a répondu négativement que celle souhaite s'est retourné en Haïti. De l'autre côté, Miami Herald a rapporté membre CAI communauté engagé consultation avec l'opposition haïtienne pour évaluer la situation politique en d'un pays en coulisses. Conseil présidentiel et un gouvernement transition t'a déjà en conformation pour remplacer l'administration actuelle selon information qui est liée à par journal Miami Herald. Il y a un responsable programme RNDDH là, Marie-Rosie Auguste du Sénat, dénoncé l'État haïtien et qui était bandit au ferraillé dans le pays, en particulier dans la capitale haïtienne là, depuis date 29 mars 2024 là, jusqu'à aujourd'hui, défense droit moun, l'imam qui dit yo pa état d'urgence, il n'a pas laissé le pays face avec une situation difficile ça. Mais de l'autre côté, réseau national Cap Défendre Droit Mounio, RNDDH, nos rapports dressé bilan partiel sur la situation malouque. Haïti a connu depuis 29 février à date, RNDDH recensé 8 mounes qui mourent dans des blousa gang vivant sans mieux parmi eux, 6 policiers sans compter un pilote qui mourit dans l'évasion pénitentiaire nationale. 4 mounes se sont blessés, 21 sur l'État public boulé, 9 postes police boulé, bandits attaqué à l'aéroport international là, avec Guimalari, côté balle, bandits arrivé, passé 3 avions, Marie-Rosie Auguste, c'est directeur programme RNDDH, la pote explication, l'ami micro Jean-Philippe Massé. Depuis 29 février 2024,
deux coalitions gang armées dans le pays qui regroupent tête dans une fédération qui veut les vivre ensemble a fait démonstration puissance. Bandi armé ça a tout le monde. RNDDH est censé pour petit 8 monde qui mouri parmi eux des timachan dans Ricamo axis policier qui était posté dans sous-commissariat Bon Repos. Sans compter des cadavres que riverains ont dit qui était gaillé dans la ria sitôt après évasion prison. Bandi armé ça a blessé monde. RNDDH est censé au moins 4 monde qui blessé par balle parmi eux des policiers, une jeune fille qui vient maman qui a dans la faculté sciences humaines avec un étudiant dans la faculté agronomie. Bandi armé ça a kidnappé monde. RNDDH est censé au moins 2 gros cas spectaculaires qui rivaient fait côté que yo rentré dans paroisse Saint-Anne, yo kidnappé un père et yo rentré dans résidence sœur Saint-Joseph de Cluny, yo kidnappé 6 sœurs. Bandi armé ça a boulé machine avec motocyclette jeune sous route. Bandi armé ça a crasé, pillé, boulé au moins 21 institutions l'État, institutions la banque, entreprises commerciales, actives entreprises qui rejoignent sous route. Boulé au moins 9 postes police. Bandi armé ça a crasé, pillé Académie nationale police là. Bandi armé ça a attaqué prison civile Port-au-Prince là, à prison civile Croix des Bouquets côté facilité évasion détenus. Sous point ça. N'a souligné que selon rapport direction administration pénitentiaire, t'es blessé dans date 20 février 2024, t'es gagné 3689 détenus dans prison civile Port-au-Prince-là. 3355 n'ont eu tant de jugement yo, et c'est seulement 332 qui t'es condamné. Ça veut dire, dans prison civile Port-au-Prince, 91% population carcérale là, t'es tant de jugement. Et, je dis, y a seuls 99 détenus répondent présents. Si la yo était décidé pour ne pas évader, pour ne pas tourner fugitif. Dans la prison Croix des Bouquets, toujours selon le même rapport, ça, c'est 1036 détenus qui étaient gagnés, parmi 805 qui ont obtenu jugement et simplement 231 qui étaient condamnés, donc 78% parmi eux qui peuvent être jugés. Tous les détenus Croix des Bouquets ont évadé. Et dans la situation Kafouyaïsa, 6 agents. PNH qui était dans l'isolement dans le commissariat Delma 33, tout profiter et valider tout. Toujours dans l'idée pour faire démonstration puissance, Bandi armé a attaqué l'aéroport international tout c'est l'ouverture avec l'aéroport Guy Malaria. Deux avions Sunrise Airways et un avion qui pour une compagnie aérienne cubaine percé par balle, en pile vite cassé, un policier qui était dans le commissariat aéroport blessé par balle. Bilan nous présenté là, pas un bilan qui exhaustif, mais lui montrer ampleur chaos que bandits instauré dans le département de l'Ouest là. Voilà, on t'a écouté intervention Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme. La zone nationale Cap Défense doit monde qui t'a parlé yon bilan provisoire sur ensemble attaque nèg exam qui fait dans diverses zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Côté yon recensé 8 monde pour pipiti qui mouri dans déblosay gang yo, parmi 6 policiers sans compter l'autre qui mouri dans évasion pénitentiaire nationale la 21 institutions l'état public boulé, 9 pour sa police à boulé. Responsable programme dans le réseau national Cap Défense doit mouna dénoncer l'État haïtien qui quittait bandit à ferrailler dans le pays, en particulier la capitale Port-au-Prince, depuis la date 29 février jusqu'à journée jeudi. Défenseur doit mouna qui dit mais si état d'urgence n'a pas café, la paix tournée dans le pays, mais tout secteur dans le pays dégagé au commerce Jean-Jacques pour mettre capé un gouvernement en d'un pays qui gagne moun honnête et crédible, une façon pour renforcer institution yo repren contrôle territoire perdu et latrier. Marie-Rosie Auguste du Sénat et dans micro Jean-Philippe Masséa. Qui sa réaction autorité depuis 29 février 2024 nous-mêmes dans RNDDH nous remarquons que institution administration publique n'a pas fonctionné. Depuis 2 mars 2024 nous constatons que pas gagné présence en aucun policier dans diverses rues dans commune département l'Ouest là. Et depuis 3 mars 2024, nous connaissons que le gouvernement de facto a ordonné un état d'urgence au département de l'Ouest à tout un mois de couvre-feu qui a expiré 6 mars 2024. RNDDH estime que depuis 29 février, je privé journée jeudi à côté de Palia, l'État qui était bandit a fait démonstration force et puissance. Il n'a pas adopté aucune mesure pour protéger la vie monde avec bien monde.
même gens tout, ils n'ont pas adopté aucune mesure tout pour renforcer la sécurité prison. La seule mesure que vous avez prise, c'était ordonné pour que blindés qui étaient postés à l'entreprison civile Port-au-Prince déplacés dans l'idée pour que les bandits barrières libres pour écraser la prison civile Port-au-Prince. Et même si nous sommes démontrés là que plus fort monde qui est évadé ou pour être jugé, RNDDH pensait que l'important pour nous souligner que l'idée déjà parlé avec quatre policiers qui étaient participés dans l'opération qui a débouché sous arrestation des bandits notoires qui jouent aujourd'hui à évader et qui déjà commencé à recevoir menaces dans les bandits. RNDDH croit que mesure état d'urgence avec couvre-feu pas capable de ramener l'ordre avec la sécurité dans le département de l'Ouest. Là. Si bandits étaient aussi puissants, si hiérarchie la police là toujours de connivence avec bandits, et surtout si bandits toujours bénéficiaient de protection dans les autorités de la justice et autorités politiques. D'ailleurs, après que le gouvernement de facto a fini d'adopter mes Israël, bandits ont continué à attaquer l'aéroport ou ses ouvertures, dans l'idée pour te montrer que pas rien qui a empêché aussi que les libres dans le pays. Là. Pas de rien qui a empêché d'attaquer la population ou soit entreprise avec institution que vous ciblez. Et dans ce sens, ça a tout. RNDDH pense que c'est important pour nous quand même rappeler pour tout le monde que local direction générale de la police, là, local DCPJ, DCPA, DDO2, tout collé avec l'aéroport international, tout c'est l'ouverture avec l'aéroport. Donc, c'est dans le babou et le major de la police là même que Bandio a fait démonstration force, démonstration puissance. Les nous analyser situation ça que nous sommes décrit là, RNDDH recommandé à secteur vital nation pour le pays à le gouvernement qui pas prédateur d'homme, qui gagne là dans le femme à garçon qui honnête, qui intègre, qui compétent et qui parle engager rapidement là pour rendre institution l'état fonctionnel, pour reprendre contrôle territoire dans les bandits, pour réappréhender tout détenu qui sauvé dans prison yo, pour enquêter sous dernière évasion qui fait dans deux prisons civiles Port-au-Prince avec quoi des bouquets. Pour enquêter sur évasion policier qui était dans isolement dans le commissariat de l'État, pour démanteler gang armée, pour révoquer où état-major PNH là, et puis entamer poursuite judiciaire contre eux, parce qu'ils n'ont pas empêché escalade violence la vie de fait, malgré tout message qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, et qu'ils n'ont pas empêché tout que évasion prison dérivé fait gens que bandits ont annoncé ça. Information menée nous dans Jacques Mel, non tentative évasion qui fait dans la prison civile Jacques Mel là. Mardi 5 mars 2024, la bilan, trois prisonniers mourus, 6 autres blessés à peu près en soins sous cabane l'hôpital. C'est en total 15 cellules qui attaquaient 16 côtés. Ces prisonniers yo, qui organisaient pour quitter prison. En plus de détails avec Ézéchiel Louis Charles, lycée correspondant nous. Depuis Jacques Mel, n'a pas gardé comment nous capables de venir avec. Détaillé avec Ézéchiel lycée correspondant nous depuis Jacques Mel. Saint-Paul Sadrak, César Mac Michel et Ashley Danis, lui-même qui était condamné pour le passer toute 13 villes dans prison, c'est nos trois prisonniers Sayo qui mourent dans la tentative d'évasion qui fait dans la prison civile Jacques Mella, moi 8 ans, dans Aswemadi, 5 mars 2024, là, d'après le directeur départemental police sud-est, commissaire divisionnaire. Malheureusement, on a bien pour venir avec reportage Ézéchiel sous ça qui gagne dans Jacques Mel côté te gagne en tentative pour prisonnier yo sorti dans prison civile Jacques Mel là. Ézéchiel Luchal pour plus de détails. Saint-Paul Sadrak, César Mac Michel et Ashley Danis, lui-même qui était condamné pour le passer toute 13 villes dans prison, c'est nos trois prisonniers Sayo qui mourent dans la tentative d'évasion qui fait dans la prison civile Jacques Mella, moi 8 ans, dans Aswemadi, 5 mars 2024, là, d'après le directeur départemental police sud-est, commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur, et commissaire gouvernement Jacques Mella, M. Pierre Wilner, Dorméville qui fait connaître, il y a environ 15 cellules sur 16 qui attaquaient.
mais grâce à concours toute unité yo, yo rive pran contrôle situation. C'est une prison qui est totalement saccagée. C'est une prison qui était au terme des normes qui répondent à l'exigence. C'est une prison qui est faite pour au plus de 100 mounes. Nous avons présentement plus de 772 à 74 mounes dans la prison. Tout le monde a été tenté de sauver. La majorité de ces mounes qui sont dans ces lieux ont tenté de sauver. Ils ont crasé pour la prison. Ils ont été crasé mieux. Ils font un paquet de désastres qui ont été tentés de sauver. Mais malheureusement, la police, avec vigilance, responsable prison, nous n'avons pas arrivé à sauver. Ceci n'empêche pas. Quand ils ont tenté de sauver, puis ils ont glissé, ils ont tombé en bas, ils ont blessé mortellement. Parce qu'ils ont regardé côté, ils ont sauté en l'air, chiré. Donc, il y a des chances pour être vivant. Je profite du moment, ça a tout salué les policiers qui te répondent présent. L'air et l'autre, non, Badjela, lui, voilà, déchargé pour les 50 détachements, t'es venu, t'es venu pour tes concours, qui permettent que nous d'arriver pour dire ces situations. Il y a près de 700 détenus qui étaient incarcérés dans la prison. Il y a donc été extrêmement violent, il y a donc été monté de tête, qui étaient évadés. Donc, dans les chauffourés, heureusement, il y a trois là-dedans, il semblait qu'il est mortellement. Il y a six qui blessent. Et ça, faut voir, présence ambulance là, c'est vous. Et capable d'évacuer blessés pour capable al poste. Coordonnateur organisation droit monde société Makaya Jean Jédi fait connaître pas qu'un prisonnier qui allait dans tentative évasion ça côté le montrer pas gain aucun attaque qui fait dehors prison là c'est plutôt prisonnier qui était organisé yo en dedans pour yo être capable craser prison là côté Jean Jédi montrer c'est grâce à vigilance agent apenayo qui rivait prendre contrôle situation qui fait pas gain plus prisonnier qui mourit dans tentative d'évasion ça. Oui, de temps fait un bon trou. Ou pas même qu'on avait qui s'en est bien fouillé toi-même, qui fait une cellule, mesdames, pour entrer pour aller mesdames. Il y a un peu de l'année qui vient de te dire. Non, j'ai blessé, nous avons plusieurs blessés. Moi, je suis capable de capable de dire à l'essentiel, sur les émissions, Basile Rousseff, il y a un 15 rébellion, déjà pour le junior. L'ex-Aro, c'est des nègres qui blessés. Et il y a un monde qui blessé autour. Par la suite, il est capable de monde parce qu'il y a un blessé grave là-dedans. Mais il y a un ex-Aro, nous-mêmes, il y a un Jésus, il y a un monsieur sur tête barbelée à aller net, monsieur Tégueta monté, ou monsieur Tégueta sauvé pour l'aller. Bon, monsieur Pagueta aller. Et il y a beaucoup qui n'ont pas gagné, d'autres mondes dehors qui s'abritent. Après des comptes, il y a 769 prisonniers qui répondent présents sur 773. Là-dedans, il y a 3 qui mourent et qui ont l'autre qui était déjà transféré dans Port-au-Prince. Pourquoi il y a là, il y a 6 là-dedans qui étaient blessés, qui ont recevoir soins, qui ont nécessité sous cabane de l'hôpital. Ville Jacques Mel, Ezekiel Louchal, Radio Méga. Merci avec Ezekiel Louchal qui tabzi nous sous prison civile Jacmel là nous sommes maternel Rémi t'es restant à plan CSOS pour prison ça côté prisonnier t'a tenté évader malheureusement il y a plusieurs années qui mouri. Merci pour toute information yo Ezekiel Louchal. Évasion pénitentiaire nationale là c'est une planification pour le ministère pour montrer la police pas capable gain chaos en Haïti pour justifier nécessité pour militaires kenya yo vienne pour les soldats d'après Rosemont Jean qui parlait de évasion qui était gagné dans le pays. Le militant politique a fait qu'on est évadé par responsable sacrivé, en particulier Negarabla, il dit qui ont côté, qui en sécurité, qui donc y a tant les gains autorité sérieux pour à connaître dans le pays pour à la justice capable de juger d'après Rosemont Jean en côté déclaration. Nous pensons pour Arabe, pour les gens qui sortent dans la prison, qui ont la guerre, oui, ça nous souhaitait automatiquement un gouvernement responsable, un ministre justice, un commissaire gouvernement sérieux, qui rétablit, qui côté l'État fonctionner normalement, mais les gens ont dit pour répondre, retourner à le juger, passer devant le juge convenablement, pour être capable de juger peine, si on a peine pour obliger, comme ça, tout le monde qui doit libérer, libérer. Avec des pour Arabes, donc, tout le monde connaît arabe, c'était une séquestration. C'est un otage, kidnappé, c'est kidnappé arabe. Arabe, on compte sur, au moment opportun, automatiquement la justice a fonctionné. Et d'ailleurs, le juge qui a pris pourtant de l'arabe là, c'est pas un juge très sérieux qui n'a pas eu. Le juge qui a commis dans Belab, c'est un juge qui n'a pas gagné et que vous reprochez son est extrêmement correct. Que me pensez automatiquement au moment venu, eh bien, l'arabe a bien pour répondre à une question juge d'instruction dès que le juge l'a invité. Des bons prisons crasées au palais d'évasion. Maintenant, quand ça se passe là, c'est pour évasion, son planification, son projet gouvernement qui gagne. Ariel Henry dit libéral Kenya. Il faut créer une situation de chaos pour montrer à la communauté internationale là, que la police dépassée par les événements, que la police n'est pas capable de jouer. Alors que combien de policiers vont aller chercher? Ils vont aller chercher soi-disant 1000 policiers au Kenya.
Alors que vrai policier qui compte rien, yo mettez dehors. Yo pas payé, yo pas bail encadrement. Permettre policier à travailler bien, permettre li gon côté descendre dormir, permettre petit li à l'école, il gagne des avantages sociaux, question logement sociaux policier. Nous résoudre li, mettez la police nous cadre côté li ca garantie sécurité, li ca travail. C'est pas ça yo fait. Non, yo plutôt à créer propre. Il a plutôt créé mal les policiers dans même police non, pour montrer aux communautés internationales que la police n'est pas capable. Moi-même, je pense qu'on a dit avec les gens qui ont gagné pour traquer, pour arrêter les gens qui sont disant évadés. Je dis, les gens qui sont disant évadés. Parce que les gens qui sont en prison, ce n'est pas les créer conditions pour sortir. Ce n'est pas les voulaient chercher couteau, qui voulaient chercher pince, qui voulaient chercher zame, qui voulaient chercher explosif pour l'exploser. Cadenas, clé côté le fermé. Son groupe n'est qui vient avec ZAM, qui coupe ses, qui ouvre porte normalement, et puis qui dit on sorti avec ZAM. Mon ZAM, pas quoi, il n'y a aucune infraction que vous commettez. Parce que le monde qui gagne responsabilité pour dire ça qui passe dans le prison, c'est le monde qui est là pour te sécuriser mon ZAM. C'est la police, c'est l'État. Parce que tout ce maintenant, vous avez couru que monsieur pas, d'ailleurs, monsieur pas fait complot. Monsieur fait voyage sortir pour planifier. Au moins, m'a regardé 7 juillet et 7 février, côté gouvernement Ariel Henry, côté Alba Rebessa, quantité négazam, côté tag, côté squad, côté bruit, côté hibou, côté toute unité ça. Tout, nous tous, comme journalistes, nous sommes témoins. 7 février, côté négumité M50 sous depuis pop, puis algoumé avec 7 à 10 agents Bessap, Pétionville, pas vrai? Alors, ce que pour dire, vous avez toute information, puis vous prenez le cas de prison, et puis vous avez ou pas utiliser SWAT, ou pas utiliser bruit, ou pas utiliser Simo, ou pas utiliser Sorgain. Ça veut dire nous prenons un complot. Et c'est un complot, ça, ça qui vient complot à tourner contre Ariel monte un complot, ils fassent ce complot. C'est ça, oui, les associations de malfaiteurs. Voilà que c'est moi, gouvernement soi-disant, et maintenant d'Adam Nedem, qui par exemple participer dans 11 actes criminels, 15 actes malhonnêtes, les traités de malfaiteurs. Mais ça, c'est un véritable l'État, ça, là. Le premier ministre qui est là, le chef de la police, vous prenez tout, ouais, c'est un véritable association de malfaiteurs qui mène le pays à la salière. Problème majeur en absence d'institutions clés fonctionnelles comme présidence et parlement. Président. Non, on va continuer avec nouvelle yo, pas gagné un consensus qui joue un tact haïtien yo, dans le cadre de discussion CARICOM yo-même yo te initié. C'est président en exercice communauté caribéenne là, Dr Mohamed Ali, président Guyana qui annonçait nouvelle là dans fin journée mercredi 6 mars 2024 là, pas gagné un yen qui joue encore qui dégageait un tact haïtien yo, dans le cadre de discussion te initié depuis 3 jours pour permettre nous jeunes en thème avec la situation crise qui gagne en d'un pays. En tant que président communauté Caraïbes là, moi souhaiter faire détail sur situation état d'avancement discussion yo. Malgré te gagne diverses rencontres, nous pas encore joindre une solution avec crise qui gagne là. Jeunes on crée une solution entre gouvernement et acteurs politiques opposition, secteur privé, société civile, organisation religieuse, selon le président Guyanéa. Il y a un problème majeur en absence d'institutions clés fonctionnelles comme présidence et parlement. Président CARICOM l'a exhorté à Tocléo pour joindre un compromis et annoncer poursuite discussion dans l'idée pour trouver une solution politique pour stabilisation PIA sous plan sécuritaire et soutenir fonds humanitaires. CARICOM continue à travailler avec le premier ministre haïtien, Dr Ariel Henry, pour un jeune en plein sorti crise pour aller dans l'élection et préparer rivée force multinationale. Là, c'est détail, président CARICOM, l'étape après rencontre acteurs politiques dans CARICOM.